une équipe de l'SM Blida qui a perdu 19 points ici en se faisant battre par 3 fois et en gagnant donc 6 fois seulement, ce qui est très insuffisant hein, quelque part, ce qui a fait que l'SM Blida se trouve. Alors que le Will Clemson est détenteur de deux coupes d'Algérie contre le même adversaire, le Moulia Doran. Attention à Hazi, ce centre. Oh là là, Abdallah failli reprendre ce ballon au fond des filets. Ah, le ballon qui passe de quelques centimètres après ce joli centre de Hazi. Le ballon de Hamiti hein, qui a raté le cadre de quelques centimètres seulement. Ballon au milieu avec Bourriard, avec Gif, pardon. Mal aussi. L'accélération devant 3 joueurs, 4 joueurs maintenant, il ne passera pas. Il n'y a pas la faute d'Ibn Issa. Aujourd'hui, l'ami de Benaïssa, l'arbitre est assisté par Chenois et Bourvis. Le quatrième arbitre, comme M. Bouchelouche. 24 seulement. 24 ans. Ballon dans l'axe avec Mohamed Aoun Sghir. Le dribble, le premier, le deuxième, le 1-2. La frappe soudaine. Le gardien s'est détendu. Et deuxième chance peut-être, mais facile après ce centre de Zubir Smith. On va revoir cette frappe de Malossi et la parade du gardien Jimili. Zéro partout. Premier quart d'heure est consommé depuis 2 minutes maintenant. Abdelawi. Attention à ce dégagement sur Toufir qui de loin et là-bas transversal. Oh là là, quelle frappe extraordinaire de Dif Toufir qui a vu que Wadah était très loin. Alors attention, il y a explosion de joie dans les tribunes. Sûrement que c'est l'ASO qui a ouvert le score. Attention encore une fois. Oh mais quelle frappe hein. Quelle frappe de Toufir Dif qui a touché la transversale, qui a suppléé Wada. Peut-être va centrer Hamiti. Voilà, c'est fait. Oh ben voilà, peut-être l'occasion à Zemit pour ouvrir le score. Voilà, c'est fait. Non. Ah là là, encore là, le ballon est toujours là. La tête, encore un poteau. Oh là 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 là, mais quelle malchance hein, quelle malchance pour cette équipe de l'USM Blida. Et regardez ce bon ballon et ce centre de Hamiti. La frappe de Smith sur la base du montant droit du gardien Jemili. Regardez encore une fois après l'intervention. Il a touché un petit peu avec sa tête, ce qui a permis à Smith de recevoir un ballon sur plateau, alors qu'il pouvait frapper ce ballon comme il venait. Mais attention à ce ballon pour Abidi, le retour de la défense, pas pour longtemps. Il y a Laoui maintenant, avec Toufir Dif. Le retour de Hazi, relance de 10. Hamiti, talonnade, bien joué, allez Hazi, pourquoi pas, l'arrière droit qui frappe dans un angle bien fermé par le gardien Jemile Houeli. Allez, ballon qui revient rapidement, encore ce tir de Hazi. Hamiti, il va passer avec le dribble, le centre, encore une fois, il va de hors-jeu. Oh là là, qu'est-ce qu'on fait avec ces ballons, la frappe, bien à côté. Alors, on ne sait même pas quoi faire avec ces ballons devant les buts. Allez, peut-être on va revoir cette action de Hamiti. Regardez,
Il attend un peu, il enveloppe bien son ballon, le dribble, le petit ballon. Regardez, oh là là, au lieu de frapper le ballon dès la première intention, dommage, dommage, dommage. Alors que là, Maroussi a fait ce qu'il pouvait. Herbesh a tenté, mais son ballon, pardon, c'était Herbesh, et non Maroussi, par une partie dans les décors. Beaucoup d'occasions. J'espère du côté de Dida de ne pas regretter. Il y a beaucoup de monde hein, dans le périmètre des Tlemcéniens avec 2-4 ciblés bien. Herbesh, corner bien frappé. Quelle extension de Djemile Houeli suite à cette superbe tête du capitaine blédien d'Ismaël. Regardez. Même il était en déséquilibre et il a pu quand même reprendre ce ballon et qui prenait le chemin des filets. Mais Djemile Houeli, celui qui a une belle parade à dévier ce ballon corner. Corner sur le côté droit, toujours frappé par Herbesh. Voilà, c'est fait. Voilà, oh là là, transversale de Smith cette fois. Oh là là, mais quelle chance, hein, quelle chance aujourd'hui pour le Saint Blida. On va revoir. Corner parfaitement frappé et la tête du petit lutin libéen Smith met sur la transversale, toujours sauzéron partout. Longue balle devant, attention à ce ballon, le dribble, ballon sur le côté gauche avec vif tout fier, attention. Centre, tête, et voilà le but. Oh là 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 là, douche froide. Ah, douche froide, et le but, premier but pour le Wydad de Tlemcen suite à ce centre de Diff. Et c'est, regardez, ce ballon bien centré, et cette balle décroisée, cette tête décroisée de Dietrich Elafir qui ouvre le score pour le Wydad de Tlemcen. Énorme surprise ici pour l'instant. Quatrième minute de la deuxième mi-temps et 1-0 pour cette équipe de Wydad de Tlemcen. Ah, ça va être dur, ça va être dur pour tout le monde ici et pour les supporters et pour les joueurs. Allez, il faut surtout garder sans son froid, ne pas tomber dans la précipitation et essayer de revenir le plus tôt possible dans le match. Pourquoi pas, suite à ce ballon de Herbesh, voilà c'est fait. Oh là là, encore un ratage et une position de hors-jeu sifflée. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ici au stade de Mustapha Çaker. 1-0. Et attention, tout à l'heure on avait dit que le SM Blida était en loin de sa ligne des buts. Shbira. Ah, Shbira, auteur de la dernière grosse occasion de la première mi-temps. Ah ben voilà, pourquoi pas. Allez, il faut frapper. Position d'hors-jeu. Non, égalisation. Oh là là. Et autre, oh là 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 là, mais quel ratage, Monimonto. Ah, quel ratage avec un grand S à la fin. Regardez, Schlelli sur plateau. Au lieu de frapper le ballon comme il venait, Haliti s'est entremêlé les pinceaux. Et le dernier tir de Hazi est parti dans les décors. 1-0 pour le Wydad de Tlemcen. Et retour des positions d'hors-jeu sifflé. D'hors-jeu, pardon. Oh là là, mais quelle occasion, mais tu dis d'occasion ratée par les joueurs de SM Blida, 10 entre autres, avec également, attention pourquoi pas, allez, 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 peut-être égalisation, voilà c'est fait, égalisation, cette fois de SM Blida, voilà c'est fait. L'accélération de Herbesh, le meilleur homme, pardon, de Maroussi, Herbesh qui marque dans les buts vides.
Et ça fait un but partout. Alors qu'on joue maintenant la 7e minute dans cette deuxième mi-temps. Explosion de joie, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fait. Allez, il faut continuer à lutter pour le samedi d'un penalty. Non, l'arbitre ne siffle rien. Et ce sera un corner. Peut-être une petite simulation. Non, l'arbitre a jugé qu'il y avait corner seulement. Corner sur le côté gauche du gardien Jumili. Voilà, c'est fait, la tête. Intervention du gardien, un peu de la frappe. Voilà, c'est fait, les concrets par Hachmi. Ça repart très vite, hein, devant. Regardez l'explosivité devant des joueurs de Tunisien avec Hachmi. Et le retour de Aoun Srir. Toujours est-il qu'avec ce match nul, le Sembida est toujours relégable. Il faut marquer ce deuxième but. Il faut gagner. Explosion de joie dans les gradins. Peut-être que c'est Laïssou qui a marqué le premier but devant le Moulin d'Europe. Et là, ça change tout. Ça changera tout si le SM Blida gagne aujourd'hui. C'est-à-dire on est resté dans la même situation. C'est-à-dire il faut que les Blidiens marquent ce deuxième but et gagnent ce match. En attendant à ce que le Moulin d'Oran perde, mais ce n'est pas encore fait. Allez, pourquoi pas la frappe au-dessus de la transversale par Harbèche. Et le Moulin d'Oran n'a pas encore dit son dernier mot. Et qui pourra revenir dans le match. Alors qu'on joue maintenant depuis 16 minutes, depuis 15 minutes. Dans cette deuxième mi-temps, toujours ce score de 1 but partout. Pas du tout avantageux pour cette équipe de Zemlida qui part en attaque centre de Jbira. La tête et la claquette du gardien Djemili. Oh là là, Djemili héros. Aujourd'hui ici à Blida, Djemili Houeli, né le 15 mai. 87, 21 ans depuis quelques jours, s'il vous plaît, attention à ce corner. Voilà, peut-être. Oh là là. Et frappe, et voilà le but. Smith Zoubir qui marque le but. Explosion de joie. Ah là là, c'était prévisible. Hein. Terrible pression sur Djemili et sa défense. Et on finit par céder à la fin. Smith autour de deux poteaux et là il arrive à trouver le chemin défilé suite à toujours ses balles arrêtées frappées par Harbèche Bilal. Regardez, balle mal dégagée entre le gardien et son défenseur et dans un trou de souris il met le ballon dans le filet alors que Hachmi va quitter également le terrain. Et c'est Boulahia Amine qui va faire son entrée. Le SM Blida avec 37 points maintenant n'est plus relégable. Blida est en première division toujours. Il reste encore à attendre le résultat de Schleff. Les quatre figures que Blida gagne et que le Moulin d'Oran fasse match nul. On vous rappelle que des milliers de Chilifiens ont fait le déplacement à Schleff, de Blidéens, pardon, supporters de Blida, ont fait le déplacement à Schleff pour encourager l'équipe de l'ASO
Et pour l'instant, c'est le Moulin de Rang qui mène et qui sauve sa peau. Attention, voilà, troisième but. Troisième but, je crois, de Hamiti, effectivement. Troisième but de Hamiti. Trois buts à un. On va revoir ce coup franc. On était seul, hein. On était seul presque. Ils sont retournés. Parfait. Et ça fait 3 buts à 1 pour le SM Blida. Et ce n'est pas la grande joie ici. Hein. Ce n'est pas du tout la grande joie. Puisque on savait bien que le Moulin de Rang mène toujours à Schleff. Le match reprend donc sur ce score de 3 buts à 1 en faveur de le SM Blida. Longue balle pour personne en profonde. Allez, égalisation à Schleff. Égalisation à Schleff. Et voilà toute la donne change ici. Et ça fait un but partout entre le Moulin de Rang. Et là, ils sont explosion de joie ici à Blida. Et c'est le Moulin de Rang maintenant qui accompagnera Etlemsen et Lohamer Ruisseau en deuxième division. Et voilà le public qui exulte. C'est comme si tout le monde était dans l'autre match. Il y avait une absence, hein, carrément. Les corps sont ici, les cœurs sont là-bas, à 200 km à l'est, à l'ouest d'Alger et de Blida. Et ça fait un but partout. Tout change maintenant. Le SM Blida avec 37 points, le Moulin de Rang avec 37 points. Alors que les Blidéens pleurent le ciel, que le match de Schleff se termine sur un score de un but partout. Allez, dernier corner peut-être. Qu'est-ce qui va se passer? Et ben voilà, c'est fini. Le SM Blida est en première division. Voilà, c'est fait. Et c'est tout le monde qui court vers les vestiaires, en ayant peur de peut-être la réaction du public qui voulait descendre peut-être pour essayer d'arracher les maillots des joueurs. Voilà, c'est fait, 3 buts à 1. Le Moulin de Rang est en deuxième division. Quelle grosse surprise cette année. 3 buts à 1 pour le SM Blida. De Vries à la deuxième mi-temps, pour Louis-Louis Tlemcen, Halbech, Smith et Hamiti pour le SM Blida. Merci à l'équipe technique du TBC7 et à Mohamed Laïd et à tous nos amis qui nous ont aidés à travailler tout au long de cette saison. Merci à vous tous.